kiss. It doesn't make sense to anybody else who cares. If you're all I think about, I've searched the world and I know now it ain't right. If you ain't lost your mind, yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau petit point lecture puisque j'ai plutôt bien lu en cette première semaine de vacances. Si je ne me trompe pas, j'ai lu 3 livres et puis j'ai fini celui que j'avais en cours la dernière fois. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, la dernière fois que je vous ai fait un petit point lecture, je vous laissais sur ma lecture de Divergent, donc du tome 2 de Véronique Arros que j'ai lu sur ma Kobo, donc je l'ai terminé et c'est vraiment un gros coup de cœur. Le tome 1 avait été un gros coup de cœur, j'avais eu très envie de lire ce tome 2 après avoir vu le film. Et franchement, je suis pas déçue, l'action ne s'arrête jamais, on est vraiment tout le temps en action dans ce livre. C'est très difficile de le poser, c'est très dur de trouver un chapitre où vous pouvez vous dire bon allez c'est bon j'arrête, je fais autre chose, parce que on est tout le temps pris dans l'action. Il est très stressant aussi, je trouve, voilà, on est vraiment toujours dans cette tension et aussi dans cette recherche de ce qui se passe. On est totalement encore un peu dans le flou, quoiqu'à la fin on commence à avoir quelques réponses, mais je pense que toutes les réponses vont arriver dans le tome 3. Mais vraiment, ce tome 2 est très prenant, plein d'action. Moi, j'ai beaucoup aimé Triss. Sur les autres avis que j'ai pu lire ou même en commentaire sous mes chroniques, vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aviez trouvé Triss agaçante dans ce tome 2. Moi, pas du tout. Justement, j'aime beaucoup la vulnérabilité de Triss. Elle n'est pas si courageuse que, enfin elle est courageuse, mais des moments voilà, elle en a ras le bol. Elle n'hésite pas à fondre en larmes. On sait qu'elle a peur et je trouve ça super, voilà, chez une héroïne, qu'elle ne soit pas que force et courage. Il faut aussi ce côté vulnérable et c'est ça que j'aime beaucoup chez Triss. Elle a un côté voilà adolescente de je sais plus 16-17 ans qui voilà est totalement perdue et qui est triste parce que voilà la fin du tome 1, si vous l'avez lu, est complètement bouleversante. Voilà, elle est triste, elle est rongée par le remords, elle se montre très vulnérable dans ce tome et moi c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé. Le seul petit bémol que je peux émettre, c'est vrai que j'ai trouvé que la relation 4-Triss était un peu mise de côté, même si tous les moments qu'ils passent ensemble sont vraiment très mignons. Moi j'aime beaucoup ce couple qui est autant fusionnel que pas destructeur mais presque, parce que là ils se chamaillent beaucoup, ils sont pas toujours très d'accord, mais au final ils finissent toujours par se retrouver, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Voilà, vraiment Divergente, donc le tome 2, gros coup de cœur, aussi gros coup de cœur je pense pour la saga en général. Je vous la conseille vraiment si vous l'avez pas commencé. Et puis moi je me lancerai certainement très bientôt dans le tome 3. J'essaye d'espacer un peu pour en garder un petit peu, parce que c'est vrai qu'une fois que le tome 3 sera lu, ben, il n'y en aura plus. Mais voilà, vraiment Divergente, gros coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte de voir ce tome adapté au cinéma parce que ça, franchement, ça va donner du lourd. S'ils font sur la même lignée que le premier film, ça va être super. Ensuite, j'ai lu un livre dont je vous avais parlé, je vous avais dit que c'était vraiment celui-là que j'allais lire après. Donc, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai prêté à ma tante, qu'elle voulait le lire. Donc il s'agit de Caché de Sharon Dogart, donc la bouleversante histoire du garçon qui aime Anne Frank. Je vous mettrai la couverture. Et donc Caché, bah voilà, c'était totalement prévisible, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était bouleversant, c'était triste, c'était... Voilà, c'est vraiment en fait, comme l'explique l'auteur dans sa préface, elle s'est vraiment, basée sur les faits réels du journal d'Anne Frank. Elle s'est vraiment basée sur le journal d'Anne. Elle suit vraiment la même chronologie, les dates, les événements aussi que Anne nous compte dans son journal. Eh bien, c'est vraiment basé sur ça, mais elle s'est imaginé le point de vue donc de Peter. Peter qui est bien le Peter dont on parle dans le journal d'Anne Frank. Et elle s'est vraiment basée sur ça, sur qu'est-ce qu'il a pu ressentir. Et c'est toute la... pas la difficulté, mais si un peu du livre, parce qu'on est totalement perdu entre réel et imaginaire.
parce que l'auteur se met tellement bien à la place de Peter, se met vraiment, on a vraiment l'impression que Peter lui aussi a tenu un journal et que voilà, on l'a sorti de je ne sais quelle cachette et qu'on vient de l'éditer pour que tout le monde puisse le lire, parce que vraiment c'est réel, vraiment c'est aussi poignant. C'est un récit autant imaginaire, parce que voilà, on ne sait pas si Peter et Anne étaient vraiment amoureux, mais d'un autre côté, ça suit tellement la chronologie du journal d'Anne Frank. Moi, je me suis vraiment rappelé les passages du journal d'Anne Frank, l'ayant lu pourtant petite, mais c'est un livre, une fois qu'on l'a lu, qui ne peut que nous marquer. Et voilà, c'est vraiment toute la complexité du livre, c'est qu'on est perdu entre imaginaire et réel, parce qu'on sait que c'est vrai, tout le fond, je dirais, tout, voilà, l'annexe, c'est vrai, ils étaient vraiment enfermés, on sait la Shoah. On sait que ça c'était vrai, c'est vraiment les sentiments entre les personnages qui sont inventés par l'auteur, mais au final on ne sait pas, peut-être qu'elle a raison, peut-être pas, enfin on ne sait pas ce qui s'est passé dans cette annexe. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup beaucoup touchée, et il y a des moments, des répliques, là j'ai pas le livre avec moi donc je peux pas vous les lire, mais des moments Peter dit des choses, moi ça m'a vraiment coupé souffle. Des moments, on a vraiment des passages où on est vraiment dans l'annexe, une grande grande partie où on est dans l'annexe, et après une plus petite partie où c'est après l'arrestation. Et c'est ça aussi le petit plus, c'est que bah forcément Anne n'a pas continué son journal dans les camps, donc elle n'a pas pu nous raconter ce qui se passait là-bas. Et l'auteur, donc c'est elle aussi inspirée, pas du journal d'Anne cette fois-ci, mais du livre de Primo Levi, Si j'étais un homme. Je crois que c'est ça. Et elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches sur les camps de concentration avec plein de musées, de mémorials, voilà, sur la Shoah. Et elle s'est aussi basée sur le témoignage du père d'Anne Frank, puisque c'est le seul à avoir survécu, donc de Otto Frank. Et donc voilà, et ces parties-là sont vraiment horribles, horribles aussi, parce que Peter ne réchappe pas des camps de concentration. Et donc voilà, c'est vraiment poignant. En plus, il y a un moment dans le livre où vous avez, c'est dommage, je peux pas vous le montrer, vous avez un dessin où on voit, vous savez, bah, toutes ces personnes en habits rayés là. Et, c'est un dessin, pourtant c'est pas une vraie photo, mais elle m'a, bon, voilà, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous avez lu le journal d'Anne Frank. Je trouve que c'est un plus d'avoir lu le journal d'Anne Frank avant, parce que du coup bah, on se repère totalement dans la chronologie. Après, si vous ne l'avez pas lu, je pense que vous comprendrez très bien le livre aussi. Hein. Mais voilà, donc vraiment un super super bouquin que je vous conseille si vous aimez, vous aimez ce genre d'histoire. Mais franchement, à lire, parce qu'on se perd vraiment entre le réel et l'imaginaire. Et au final, on oublie que c'est Sharon Dogard qui écrit, et on a vraiment l'impression que c'est Peter qui est là et qui nous raconte ce qui s'est passé. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu une lecture un peu plus détente. Donc je me suis lancée dans Poison de Sarah Pinkbrook. Donc ce magnifique livre pour lequel j'avais craqué. Et donc je suis super super contente de l'avoir lu, parce que moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Donc ici c'est une réécriture de conte de Blanche-Neige. Donc on retrouve vraiment la trame, comment dire, la trame du conte original. Donc il y a Blanche-Neige, son père. Blanche-Neige va perdre sa maman, donc la reine. Son père va se marier avec une reine bien plus jeune, donc il a à peu près le même âge que Blanche-Neige. Et bien sûr, la reine est magnifique, tout ce que vous voulez. Le roi va partir, et donc Blanche-Neige va se retrouver coincée avec cette belle-mère. Et bien sûr, on connaît tous la suite, la pomme et tout le blabla. Sauf qu'ici, c'est vraiment revisité. Alors au début, on reste vraiment dans la trame, je trouve, du conte original. Ici, la reine m'a fait plus penser à la reine dans le film avec Kristen Stewart. Donc Blanche-Neige et le chasseur, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, vraiment blonde, magnifique, le teint pâle. Longue chevelure blonde et tout ça, un peu comme bah, Charlize Theron dans le film, plutôt qu'à la reine dans le Walt Disney qui n'est pas blonde. Non, je ne crois pas, bref. Donc voilà, la reine, si vous voulez, vous l'imaginez, elle est vraiment comme ça. Moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginée. Blanche-Neige,
par contre, je me la suis totalement représentée comme la Blanche-Neige du conte. Pareil, la peau pâle, les longs cheveux noirs de G, les grands yeux marrons, enfin voilà. Mais il faut totalement oublier la Blanche-Neige qu'on a connue dans Walt Disney quand on était petite. Parce que ici, Blanche-Neige, elle n'est pas du tout douce, parfaite et tout. Enfin, c'est vraiment pas une sainte nitouche. Hein. Vraiment, Blanche-Neige là-dedans, elle se lâche. Et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Parce que Blanche-Neige se dévergonde. Et c'était vraiment sympa. Au début, on s'en rend pas vraiment compte. Et puis, on avance dans le livre. Et moi, je me suis dit, oula, il faut que j'arrête de penser à Blanche-Neige comme la petite Blanche-Neige dans Walt Disney. Parce que c'est plus du tout ça. C'est plus la fragile Blanche-Neige. Donc, même si elle est quand même assez vulnérable, elle a l'air assez... Comment, elle est quand même assez douce, elle est très gentille. On y retrouve les nains qui prennent soin d'elle, tout ça, donc c'est très mignon, mais il y a quand même un côté rebelle. Déjà chez Blanche-Neige, dans ce livre, elle monte à cheval comme un garçon, elle refuse de porter des corsets sous ses robes, enfin voilà. Et il y a aussi un côté très très dévergondé, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup rire. Mais au début ça fait vraiment bizarre quand on s'imagine, voilà, la Blanche-Neige de notre enfance, et qu'on voit dans ce livre-là, on se dit, oula, j'ai dû faire des gros yeux. Mais au final ça m'a bien plu. J'ai beaucoup aimé ici la reine, parce qu'elle a beau être la méchante, je trouve qu'on sent un peu des remords quand même en elle, et elle hésite un peu au début, enfin ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cet aspect là. J'ai bien aimé aussi qu'on raccroche d'autres contes, j'ai aimé aussi qu'on raccroche d'autres contes à Blanche-Neige, donc, je vais pas vous dire comment, mais ici on parle aussi d'Aladin, on parle aussi de la sorcière d'Hansel Gretel, et je crois que c'est tout. C'est déjà bien, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'au final ça fait pas tâche du tout. Au début ça fait bizarre, mais au final ça se fond super bien. Et non, vraiment moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. La fin, c'est du grand n'importe quoi, on n'y comprend plus rien. On est très 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 loin de Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors là, oubliez, si vous voulez un conte gentillet, c'est pas celui-là qu'il faut lire. Il faut lire la version originale, parce que là c'est pas du tout ça. Au final, il y a un méchant qu'on n'aurait pas pensé que ce serait lui, que ce serait lui le méchant. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est une super écriture de conte, moi qui adore les écritures de conte. Là, j'ai été gâtée et j'ai hâte de lire le prochain qui a déjà rejoint ma palle, donc qui est Charme et qui se base sur Cendrillon. J'espère qu'on va avoir des nouvelles de Blanche-Neige parce que là... elle est un peu dans la panade. Donc voilà pour Poison. Et ensuite, je me suis lancée dans Vampire Academy, donc le tome 1, Sœur de sang de Richelle Mead. J'ai eu un petit peu de mal. Au début, j'étais un peu perdue entre les vampires, les Moroi et les Strigoi. Mais au final, on s'y retrouve plutôt bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, malgré que ça soit une saga très très connue, moi je ne connaissais pas plus que ça. Donc Vampire Academy, c'est tout simplement Lisa, non, Rose, oui, je commence déjà à me tromper. Donc c'est Rose qui est une vampire, donc qui est un peu, ce n'est pas un vampire, contrairement à ce qu'on croit, c'est le métissage entre un Moroi, donc un vampire, et un humain, si j'ai bien compris. Et donc elle est une vampire et elle doit devenir gardienne, donc des Moroi, donc les vampires, gentils. Entre guillemets, pour les protéger contre les vampires méchants, donc les Strigoi. Et sa meilleure amie, Lisa, est une princesse Moroi, donc elle n'est pas encore sa gardienne officielle, mais elle la protège. Et on les retrouve là, ici, au début, en fuite. Elles se sont enfuies de l'académie, et au final, bah, forcément, elles vont se faire choper, et on va les ramener par la peau des fesses à Saint-Vladimir, donc à l'académie. Donc là, je vous raconte pas la suite, mais voilà, Lisa, Rose, oh, j'ai du mal, hein. Rose a vraiment pour but de protéger Lisa, donc des méchants vampires, donc des Strigoi. Donc voilà, alors moi j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça dans des écoles, ça me rappelle un petit peu, ça rappelle un peu Harry Potter bien sûr, mais ça me rappelle XO, ça me rappelle une high school. Bon, c'est pas du high school, hein, vraiment, une high school reste au-dessus pour moi.
pour l'instant en tout cas. Mais j'ai quand même beaucoup aimé Vampire Academy, même si je vous dis, j'ai eu beaucoup de mal au début à me faire à la mythologie, je comprenais rien. Mais je me suis très très vite quand même adaptée, je trouve. Et une fois que j'ai bien compris, bah, ça a été un vrai plaisir. J'ai lu, je crois, jusqu'à à peu près la moitié, une moitié. Et puis après, j'ai lu l'autre moitié vraiment d'une traite. Donc je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. Il y a, ça pose bien les bases. En fait, c'est vraiment un tome 1 plutôt bon. Ça aurait été un autre tome, je vous aurais dit que ça aurait été plat, que ça manquait un peu d'action. Parce que là, l'action arrive vraiment à la toute fin. Même si on a des petits éléments quand même de temps en temps. Mais la grosse action, vous savez, celle qui est prenante et qui met un peu en danger nos personnages, arrive vraiment à la toute fin. Et je m'y attendais pas d'ailleurs, c'était une bonne surprise, je n'avais pas deviné. Mais voilà, c'est un bon tome 1 qui pose les bases, qui les pose bien. Même si on ne connaît pas encore vraiment toute la mythologie Moreuil, Strigoi et d'Empire. Mais j'ai vraiment bien aimé. La romance est présente, mais pas trop. Donc, en tout cas pour l'instant. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. J'aime beaucoup Rose. Un personnage féminin, j'aime bien les... des personnages à chaque fois un peu rebelles qui n'en font qu'à leur tête. Et côté garçon, je sais pas trop encore. Dimitri, Christian sont vraiment adorables tous les deux pour l'instant. Donc voilà, Lisa est plus en retrait, voilà, elle fait un petit peu plus princesse en détresse, mais j'espère qu'elle va un peu se révéler parce qu'elle commence un petit peu à un moment dans le livre à vouloir elle aussi voilà, se défendre un peu elle-même, donc j'espère qu'elle va encore plus se révéler. Donc voilà pour Vampire Academy, je lirai certainement la suite, je ne sais pas quand, très bientôt, mais normalement j'ai le tome 2 en e-book et j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer, parce que vraiment c'était très très sympa et je vous conseille si jamais vous ne les avez pas encore lus. Par contre, maintenant que j'ai lu le livre, je trouve la bande-annonce du film un peu bizarre. Quand j'avais vu la bande-annonce du film, voilà, comme tout le monde, quand il est sorti, je sais plus quand est-ce que c'était, peut-être février ou mars, quelque chose comme ça, et je me suis dit, wow, ça a l'air chouette, et une fois qu'on a lu le livre, la revoir, bah, ça fait bizarre, parce que moi, les personnages, comme je me les suis imaginés dans le livre, et ben, j'ai eu du mal à les retranscrire en regardant la bande-annonce. Donc je verrai bien. Je pense que j'essaierai quand même de voir le film pour faire le comparatif. Comme ça, je pourrai en plus vous en parler dans une vidéo. Mais voilà, pour le moment, je suis plus attirée par les autres tomes que par le film. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Donc je trouve ça déjà vraiment bien. Je sais pas vous, parce que je trouve que j'ai vraiment bien lu là pendant une semaine. Avoir lu 3 livres, c'est vraiment super parce que c'est ce que je lis d'habitude en à peine un mois. Donc là vraiment j'ai passé une première semaine de vacances plutôt réussie en termes de livres. Et donc là je suis dans ma lecture en cours qui est Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 La passe miroir, ou je crois que c'est le contraire, je ne sais plus, de Christelle Tabot, je crois. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein. C'est ça, de Christelle Dabos, pardon. Je me trompe en plus. Et donc, je l'ai commencé hier. Donc, c'est une lecture commune avec Pauline, donc du blog Perfect Readings, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà, j'ai commencé donc avec elle ce livre. Elle est un peu plus avancée que moi pour l'instant, parce que je n'ai pas du tout eu le temps de lire hier. Pour le moment, j'en suis qu'à 6%. Donc, sur ma Kobo, c'est vraiment le tout début. C'est pour le moment, je peux pas vous dire que ça me plaît, je peux pas non plus vous dire que ça me plaît pas. C'est très intriguant. C'est vraiment, vraiment, en fait, très, très intriguant. Et c'est ça, en fait, qui va sûrement me pousser à continuer ma lecture parce que c'est vraiment. Ici, on rencontre Ophélie, donc une jeune fille qui va être mariée de force à un homme. Donc, elle vient d'une ville dont je ne sais plus le nom. Bravo! Et elle va être donc mariée à un homme donc, qui vient du pôle. Et apparemment, ce sont des rustres, des sauvages, tout ce que vous voulez. Et on skye les miches, et, enfin voilà. Et la pauvre, donc elle est totalement... Bah, on peut même pas dire qu'elle est dévastée parce qu'elle pleure pas, mais elle est... Voilà.
Elle est totalement blasée. Elle a déjà refusé apparemment plusieurs cousins auxquels ses parents voulaient la marier. Et là, du coup, elle va se retrouver avec cet homme que je n'ai pas encore rencontré dans le livre, donc je ne peux pas vous dire. Et donc voilà, là, je suis vraiment au tout début. Ophélie a apparemment un pouvoir particulier avec les objets. Dès qu'elle les touche, il leur raconte un peu leur histoire ou ce genre de choses. Donc ça, pareil, j'ai hâte d'en savoir plus parce que là, j'en sais pas tant que ça. Donc voilà, pour le moment, c'est le début. Je vais voir au fil de ma lecture si ça me plaît. Et puis, on verra bien. Donc voilà pour ce petit point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je ne sais pas du tout, comme d'habitude, ce que je vais lire après. Voilà. On verra bien. Ça dépendra de mon humeur. Ça dépendra de si j'ai aimé le livre, si je n'ai pas aimé. Mais je vous tiens au courant sur la page Facebook de toute façon. Sur Livradict, vous pouvez aussi suivre parce que je mets souvent mon profil Livradict à jour. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, s'ils vous tentent, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis voilà, je vous dis à très très vite. Et puis à bientôt, faites de belles lectures. Bye!